revenir sur DZ Vision. On va faire juste une petite analyse concernant cette rencontre qui a opposé l'équipe de Madagascar face à cette équipe de la RDC. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à notre chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. C'était un très très bon match, un très 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 bon match parce que je ne doutais pas du tout de cette équipe de Madagascar parce que imaginez depuis la phase des éliminatoires, cette équipe nous a fait toujours régaler et aujourd'hui ils nous ont vraiment encore régalé avec cette victoire et c'était très très bien. J'apprécie aussi cette équipe de la RDC qui s'est battue, qui s'est quand même vraiment battue parce que comme vous pouvez savoir, ils étaient menés, ils se sont battus pour revenir au score et c'est ça qui les a permis d'aller au tir au but. Et c'était un très bon match, vraiment un très très bon match. Mais malheureusement, le premier tireur de la RDC a raté son pénalty et qui a permis à l'équipe adverse qui est le Madagascar de valider leur ticket pour les quarts de finale. Mais la CAN de cette année va nous surprendre parce que vraiment c'est des équipes qui viennent de l'ombre et qui sont là maintenant à prendre le terrain et c'est vraiment quelque chose de génial. Et le football, bien sûr, le football c'est comme ça parce que beaucoup de gens disaient peut-être que c'est la RDC qui allait partir au quart de finale, mais malheureusement pour eux ils n'ont pas la chance quand même. Le Madagascar mérite cette victoire parce que ils s'y sont battus depuis les phases éliminatoires jusqu'à maintenant. La personne n'arrive à les battre quand même sur le terrain et c'est une très très bonne chose. Vous ne pouvez pas savoir, cette équipe c'est leur première CAN. C'est leur première CAN et ils sont là vraiment pour cette coupe parce que ils se battent par tous les moyens pour décrocher cette coupe. Mais on peut aussi féliciter cette équipe de la RDC qui s'est vraiment battue jusqu'à la fin et malheureusement c'est une seule équipe qui ira en quart de finale et ça aujourd'hui c'est le Madagascar. Mais ce qui est sûr, le football n'arrêtera jamais de nous surprendre parce que toutes les équipes qu'on minimisait, ce sont des équipes là qui sont en train d'aller en avant et les grandes équipes comme le Maroc, l'Égypte, personne n'avait imaginé que ces équipes là allaient se retourner en huitième de finale. Mais c'est ça qui s'est passé. Voilà, en attendant le match entre Guinée et l'Algérie, là aussi on verra quelle équipe ira en quart de finale. Mais c'est que sûr, je souhaite bonne chance à mon équipe qui est le Sili National et je pense peut-être qu'ils vont décrocher cette victoire qui va les permettre d'aller en quart de finale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas surtout de mettre en commentaire vous aussi vos impressions concernant la rencontre entre Madagascar et l'équipe de la RDC.